Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Steve et je suis ici à le magasin de mon ami Kingsley, Marbles Slab Creamery, car c'est un magasin de crème glacée. Yeah! Alors, on va manger de la crème glacée. Yeah! Super fantastique car c'est l'été et j'adore manger la crème glacée en été. Mais avant d'entrer, j'aimerais bien recevoir une grande poussée. I'd love to get a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquez sur le bouton to subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. And parents, guardians, aliens, humans, I've got a Patreon account. That's right. I've also got a merch store où vous pouvez acheter un autocollant, a sticker, un t-shirt, et un chandail, un sweater! Alors, mes amis, j'adore manger la crème glacée dans un coupe, mais Justin préfère manger dans un cornet. Alors, je vais poser la question à vous à la maison. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez manger la crème glacée dans une coupe ou un cornet? Alors, vous pouvez me contacter en utilisant Instagram ou Twitter, mais il faut avoir la permission de l'adulte. You have to have parent permission. OK? OK? OK. Alors, si vous êtes prêts, je suis prêt. 1, 2, 3, et on va entrer. Alors, venez, mes amis! Avant d'entrer et commander la crème glacée, apprenons à dire quelques saveurs populaires en français. Et on a vanille, 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 vanilla. Chocolat, 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 c'est chocolate en anglais, car c'était si difficile à comprendre en français, n'est-ce pas? Brisure de chocolat, brisure de chocolat. Brisure de chocolat, chocolate chip. Biscuit et crème, biscuit et crème, biscuit et crème, cookies and cream. Et c'est un de mes préférés. Pâte à biscuit, pâte à biscuit, pâte à biscuit, cookie dough. Et ça, c'est mon préféré. Beurre d'arachide et chocolat, beurre d'arachide et chocolat. Beurre d'arachide et chocolat, peanut butter and chocolate. Brisure de chocolat à la menthe, brisure de chocolat à la menthe, brisure de chocolat à la menthe, mint chocolate chip. Et mes amis, Monsieur Steve n'aime pas la crème glacée à la menthe, pas du tout. Pistache, 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 pistachio. Praline et crème. Praline et crème, praline et crème, pralines and cream. Fraise, 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 strawberry. Ce sont toutes les saveurs, n'est-ce pas? Non! Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Yay! Finalement, c'est temps pour la crème glacée! Oh, j'ai hâte à manger la crème glacée! Alors, je suis à l'intérieur et je sais que je ne porte pas mon masque. Quoi? Mais j'ai reçu la permission de l'enlever. I have permission. Car c'est privé, it's private. Il n'y a personne ici. C'est seulement moi et Justin. Alors, yeah, je peux parler à vous sans masque. Yeah! Woohoo! Alors, on est ici à l'intérieur. Et j'ai beaucoup de choix. Voici les saveurs, the different flavors, les saveurs. Mais Monsieur Steve, comment vas-tu choisir? How am I gonna pick? Je ne sais pas. Peut-être vous pouvez m'aider. On a caramel ici avec le beurre d'arachide. Ok, ok. On a chocolat. J'adore le chocolat. Ici, un de mes préférés, biscuits et crème. Yum yum yum. Aussi, on a vanille. Tout le monde aime vanille, n'est-ce pas, mes amis? Oui! Alors, on a déjà décidé que Monsieur Steve va choisir un quoi? C'est quoi le mot pour ça, mes amis? Oui, si vous avez dit une coupe, vous avez raison. Et on sait déjà ce que Justin va choisir. Il adore les quoi? C'est un... pas un cône, mais oui, c'est un cône. En anglais, on dit a cone. Un cornet. Alors, si vous avez dit un cornet, ding, 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 vous avez raison. Bien fait, mes amis. Alors, mes amis, comment faire la décision? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de saveurs. Ah! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je crois que c'est entre ça et ça.
Et ça, c'est pâte à biscuits. Cookie dough. Ça et ça. Et j'aime les morceaux de biscuits ici de Oreo et c'est la vanille. Mais ici, c'est comme je mange des biscuits. Ok, pâte à biscuits. Oui, j'ai décidé. Pâte à biscuits. Mais maintenant, je dois décider. Est-ce que je veux une boule, deux boules, trois boules? Ok, je crois que je vais choisir juste une boule pour aujourd'hui. Alors, je suis prêt. Yeah! Ok, je suis prêt. Je voudrais commander, I'd like to order, je voudrais commander une boule dans une coupe, s'il vous plaît. Répétez avec moi, mes amis. Une boule dans une coupe, s'il vous plaît. Ok. Et pour le saveur, est-ce que je peux avoir cookie dough? Alors, pâte à biscuits, s'il vous plaît? Oui. Fantastique. Ok, mes amis. Ce qui était vraiment chouette, c'est qu'elle a fait la saveur elle-même, oui, elle-même, en mélangeant de la crème glacée à la vanille, comme on voit là, avec des morceaux de pâte à biscuits et des morceaux de biscuits avec du caramel. Et puis, elle mélange et mélange et mélange. Et attendez, est-ce que tout ça est une boule? Oui, c'est une boule! Oh! Et voilà la crème glacée pour Monsieur Steve! Alors mes amis, l'avantage de manger la crème glacée dans une coupe, c'est que il ne va pas fondre tant que le melt. Alors si ça froid, ça va fondre car c'est la crème glacée. Mais ça va fondre dans la coupe et mes mains vont rester propres et pas sales. Yeah! Et maintenant, c'est temps pour manger la crème glacée. Yeah! C'est délicieux, mes amis. Délicieux. Alors, ça c'est tout pour moi, mes amis. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, donne-la une grande pouce en haut. Give it a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. Don't forget to click on that subscribe button. Parents, guardians, aliens, humans, I've got a Patreon account. And I've also got that merch store. So please feel free to go and check those out. And again, j'aimerais bien savoir ce que vous préférez. Est-ce que c'est une coupe ou un cornet? Et vous pouvez me contacter en utilisant Instagram et Twitter. Mais il faut avoir la permission de... adulte, oui, un adulte. Alors mes amis, ça c'est tout pour moi. Alors au revoir et au revoir. Au revoir mes amis. Au revoir et à la prochaine.